Guten Tag, liebe Schüler. Ich bin Herr Melanchthon Panzou. Ich bin Deutschlehrer an dem Revolution Gymnasium. Ja. Und ich lehre in der Abschlussklasse und sowie Oberprima. Das heißt, ich bin Deutschlehrer in der Abschlussklasse, das heißt auf Französisch Terminal und Oberprima Première. Heute, ich bin sehr froh, mit euch zusammen drei Nebensätze zu studieren. Und ich will, dass alle Schüler Aufmerksamkeit haben müssen in dieser Zeit. Heute werden wir drei Nebensätze studieren. Das sind der Temporalsatz, der Konzessivsatz und am Ende der Finalsatz. Jetzt werden wir mit dem Temporalsatz beginnen. Also, der Temporalsatz ist ein großer Nebensatz. Und dieser Nebensatz würde durch fünf Konjunktion Konjunktionen eingeleitet. Ich möchte das auch ein bisschen auf Französisch erklären. Der Temporalsatz, auf Französisch sagt man la subordonnée temporelle. Elle est introduite par cinq conjonctions de subordination. Das sind, ce sont, das sind. Erstens. Ja, während, en français exactement, pendant que, dann kommt, bevor, beziehungsweise, oder, ehe, und das heißt, avant que, en français, avant que. Und dann kommt drittens nach dem, ja, das heißt, après que, en français, après que. Die Hauptidee jeder Konjunktion, beispielsweise für während gibt uns die Idee der Gleichzeitigkeit, das heißt auf Französisch, la simultanéité.
Before oda ehe, that's us, avant que, gibt uns die Idee der Anteriorité, sagt man, auf Französisch aber auf dort, sagt man, früher sein. Und schließlich, nachdem, das ist ein M, so, après que, gibt uns die Idee de la postérité, la postériorité, voilà, la postériorité, das heißt, de später sein. Hein? Parce que ça, c'est après, et ici, c'est faux, et avant. Hein? Avant que, après que. Donc, postériorité, et là, c'est antériorité. Und da kommt die vierte Konjunktion, das ist als. Als hat wie kann ich sagen, Erklärung, beispielsweise, das heißt lorsque, auf Französisch, lorsque, oder auch quand. Et am Ende ist wenn. Wenn. Man kann nicht das hier als wenn mit wenn Kondition, Konditionalsatz, hein, wo Konditionalsatz, wenn heißt, en français, si, de condition. Si de condition. Bien. Das nicht. Das hier heißt, toutes les fois que, weil hier gibt es eine Wiederholung der Tat. Aber hier, das ist eine einzige Tat, aber in Vergangenheit. So. Donc ici, avec als, nous avons une action qui se déroule, mais dans le passé. Elle est unique, cette action. Si je dis, par exemple, le premier jour que j'allais à l'école, j'étais malade. Mais le premier jour que je suis allé à l'école, le premier jour est fini. Il ne reviendra pas parce que c'était le premier jour. Il y a eu un deuxième jour, mais le premier jour, il est unique. Donc, c'est avec als. Maintenant, avec wenn, c'est la répétition. C'est toutes les fois que je fais ceci ou je faisais ceci, j'avais cela qui se passait. Nous aurons tout à l'heure des exemples pour mieux élucider tout ceci. Donc, ici, nous aurons surtout lorsque, non, toutes les fois que je veux dire, toutes les fois que. Mais, wenn peut aussi signifier quand. Je prends un exemple. Quand il fera beau, je sortirai. Quand il fera beau. C'est pas ici une condition, mais c'est quand il fera beau temps, je pourrai partir me promener. Donc le quand là, est représenté par le wenn. Parfois, il y a une petite difficulté à saisir. La nuance existe entre le si condition wenn et avec le si toutes les fois que wenn. Mais surtout lui, on l'utilisera surtout pour toutes les fois que pour notifier la répétition du wiederholung. So. Alors, wir können hier einige schnell einige Beispiele nennen mit während. Mit während. Wir sagen so. Während wir unsere Lektionen
lernen, während wir, so, während wir unsere Lektionen lernen, spielt leider mein Bruder Fußball. Während, pendant que, das sind zwei Taten, die im selben Moment sich ablaufen. Während wir unsere Lektionen lernen, pendant que nous étudions nos leçons, eh bien, malheureusement, mon frère joue au ballon. Joue au ballon. Donc ici, c'est le déroulement parallèle de deux actions qui sont tout à fait différentes, mais les deux actions se déroulent au même moment. Donc, avec Verint. Nous passons. Deux. Avec Before. Avec Before, Meet Before. Meet Before. Nous aurons comme exemple, je dis, avant que nous mangeons, nous nous lavons les mains. Avant de manger, nous lavons les mains. Alors ici, il faut remarquer une chose qui est importante, c'est que l'idée d'antériorité se trouve contenue dans la proposition principale qui est le Hauptsatz. Nous disons, nous nous lavons les mains virgule, comment, avant de manger. Alors, il y a une chose que nous allons expliciter ici pour nos élèves. Nous disons, nous nous lavons les mains avant de manger. Vous voyez ici, nous utilisons avant, après qu'il y ait la conjonction avant, nous utilisons bien ici un infinitif, c'est un groupe infinitif. Alors que dans notre nous nous lavons les mains, nous l'avons pris en français pour que nous fassions sortir, nous allons l'écrire en allemand tout à l'heure, nous fassions sortir ce changement-là. Ici, c'est un infinitif, mais en allemand, ce sera personnel. Ce n'est pas la même chose, ce sera personnel. Alors, ça veut dire ceci en allemand. Via Waschen, wir waschen uns die Hände, bevor wir essen. Alors, nous voyons très bien ici, bevor est là, bevor wir essen ici, ça c'est un pronom personnel qui n'existe pas dans notre proposition subordonnée, proposition subordonnée temporelle avec avant. En français, après avant vient l'infinitif. En allemand, c'est tout à fait le contraire. Via waschen uns die Hände, bevor wir essen. Ici, c'est personnel et le verbe est conjugué puisqu'il y a via qui est un pronom personnel. Ici, ça n'existe pas en français. Nous aurons la même chose également. Lorsque nous allons étudier, je peux effacer ceci, lorsque nous allons étudier et voir l'exemple concernant Nachdem. Donc, mit Nachdem. Ah. Mit Nachdem. Mit Nachdem, nous sommes dans le passé.
Et vous avez vu qu'ici, nous nous lavons les mains avant de manger, nous sommes au présent. Mais ici, nous sommes dans le passé parce qu'il y a une postériorité. Vergangenheit, ici, là. Hmm? Disons, il y a, oui, qu'on appelle später sein. Et donc, nous allons avoir, et là aussi, je vais commencer par le français pour que les élèves puissent comprendre, que les élèves puissent comprendre la différence qu'il y a avec le français, avec la construction française de la subordonnée temporelle. Alors, nous dirons ceci. Nous pouvons commencer par la subordonnée, hein, et c'est ça qu'il faut rappeler à vos élèves, on peut commencer par la subordonnée, terminer par la principale, et vice-versa. Donc, commençons un peu par la subordonnée. Nach dem Frau Müller, nach dem Frau Müller, ah, c'est un R, nach dem Frau Müller, die Vorhänge gewaschen hat, kann sie jetzt ausgehen. Qu'est-ce que nous avons écrit? Là également, nous avons mis ça d'abord en allemand, ça ne fait rien. Hein, ça fait rien. Nach dem Frau Müller die Vorhänge gewaschen hat, kann sie jetzt ausgehen. Mettons ceci en français pour notifier une remarque que nous avons vue tout à l'heure, mais ici ce sera au passé, hein, ce sera naturellement ici également avec l'infinitif. Nous disons ceci. Après que Madame Müller a lavé les rideaux, des fois c'est le rideau, les rideaux, elle peut sortir. Elle peut sortir. Nous voyons très bien ici que après que Madame Müller a lavé, ici nous avons un passé composé, mais elle peut sortir, se passe à l'infinitif. Ça passe à l'infinitif parce que effectivement c'est la règle. En allemand, que ce soit Befoa, que ce soit Nadem, sont personnalisés et donc tout se passe avec des personnes, disons avec les pronoms personnels ou avec des personnes. A contrario, en français, eh bien, la subordonnée temporelle introduite par aussi bien par Befoa ou Nadem se donne, la subordonnée donc se donne en infinitif. Voilà ce que nous voulions notifier par rapport à ces deux moments de notre leçon sur la subordonnée temporelle. Bien. Alors nous allons continuer avec les deux autres qui restent. Alors suivez bien parce que les deux autres qui restent sont également très, les deux autres conjonctions sont très importantes à connaître parce qu'elles aussi ont leur façon. Nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, nous allons donc voir avec mit et avec als. Nous avions tout à l'heure notifié qu'avec als, nous avons une seule, mais alors une seule, une unique action dans le passé. Elle est dans le passé. Nous disons ceci comme exemple. Als wir zu Hause ankamen,
Tant pour moi. Zuhause. Zuhause einkommen. Ging. Fati. Ging Fati aus. Nous disons, als wir zu Hause ankamen, ging Fati aus. Pendant que nous arrivâmes à la maison, papa sortait. Donc, nous arrivâmes à la maison, c'est une action unique, mais dans le passé. Alors, nous allons réécrire ceci en français pour nos élèves. Nous disons, lorsque nous arrivâmes papa sortait. C'est une action unique dans le passé. Et enfin, un exemple pour étayer ce que nous avons dit tout à l'heure, avec nos cinq conjonctions de subordination avec la temporelle, notre temporelle, donc la subordonnée temporelle, nous allons voir, nous allons voir le cas avec wenn. Le cas de wenn. Nous avons dit tout à l'heure que wenn est une conjonction et qui vient à côté de als. Et wenn ici veut dire toutes les fois que. Toutes les fois que. Toutes les fois que. Vous voyez que quand on dit toutes les fois que, il y a ici, a fortiori, l'idée de répétition. Il y a. Es gibt hier eine Wiederholung. Jedes Mal, chaque fois que. Jedes Mal, als ich so mache, kommt etwas. Alors, nous allons prendre comme exemple. Vous voyez. Jedes Mal. Jedes Mal, chaque fois que, jedes Mal, wir, ja, vergaben. Jedes Mal, wir die Aufgaben machen, je synthétise ça, je vais revenir sur wenn. Jedes Mal, wir die Aufgaben machen, kommt der Hund uns stören. Kommt der Hund uns stören. Je dis chaque fois que nous faisons le devoir, eh bien le chien venait pour nous déranger. Bien. Je veux réécrire ceci normalement. Je dis wenn wir toutes les fois que. C'était pour exprimer la répétition. Wenn wir die Aufgaben fertig machen, kommt, ou bien stört uns,
des ondes. Bien. J'ai mis Sterte 11. J'ai mis ça ici. Comme je pouvais mettre ça après onde, ça ne pose aucun problème. Alors je dis Wenn wir die Aufgaben fertig machen, stört uns der Hund. Toutes les fois que nous voulons terminer notre devoir, eh bien le chien vient, que nous voulons terminer le devoir, que nous terminons le devoir, le chien vient pour nous déranger. Bien. Comment on peut exprimer ceci? Nous disons, toutes les fois, nous sommes vers la fin de notre temporal, toutes les fois que nous terminons les leçons, les devoirs, Afgab, le chien venait nous déranger. Le chien nous dérange. Alors, il y a une petite explication à donner ici. J'ai mis ça au présent. Mais en principe, quand on dit toutes les fois que, nous devons en principe nous retrouver dans le passé. Alors, pour mieux exprimer ça, nous disons toutes les fois que nous terminions les devoirs, les chiens nous dérangeaient. Là, ça va très bien. Wenn wir die Aufgaben machten, nous dirons machten, störte uns der Hund. Chaque fois que nous voulons terminer les devoirs, le chien nous dérangeait. Voilà donc, grosso modo, ce que je voulais dire sur les temporales. Alors, nous allons passer aux deux autres subordonnées, à savoir des temporales. Et après des temporales, des concessives. Voilà, nous allons donc continuer avec notre deuxième subordonnée, der concessive Satz. Was ist das concessive Satz? Concessive, das bedeutet auf Französisch die Beschränkung, quelqu'un qui est arrêté, qui est diminué, qui est limité. C'est une restriction. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on va vous donner les exemples. Quelqu'un est malade, c'est une restriction, il est diminué, il est limité, mais il fait quand même quelque chose qu'il ne devait pas faire, alors qu'il est malade, c'est la restriction. Donc, concessive, c'est ce que ça veut dire, que vous êtes pourtant limité, malgré cette limite-là, malgré le fait que vous souffrez, vous faites quand même quelque chose qui va étonner les gens. Ah, il est malade, mais il vient quand même, bien qu'il soit malade, il vient quand même. Alors, il y a des conjonctions qui l'introduit. Parmi ces conjonctions, elles sont au nombre de trois, mais en fait, elles veulent dire la même chose. Nous avons Opvol, Drei Konjunktionen, Opvol, dann kommt Option und schließlich Obgleich. Donc, Obwohl, Option, Obgleich. Das sind die drei. Ich kann sagen, sie sind ähnlich. C'est-à-dire elles sont pareilles. Ces trois conjonctions veulent dire bien que, bien que. Oui, je vais écrire ça ici convenablement. Bien que et quoique. Quoique. Ces deux conjonctions, je le précise, je dis, nous donnent ici la restriction, c'est-à-dire la limitation. En allemand, on dit die Beschränkung. Bien.
Alors, quels sont les exemples qu'on peut donner par rapport à ça? Les exemples qu'on peut donner par rapport à ça, bien que je sois... J'ai un exemple qui est typique. Alors, je vais vous donner cet exemple-là. Avec Hopvol, par exemple. Je pouvais prendre Hopvol, Option, Hopglass, les trois sont pareils. Hein, les trois sont pareils. Donc, faut pas dire que Hopglass a plus de valeur. Non, non, les trois ont la même valeur. Lesquels? Alors, on dit Hopvol. Der Shaft. Hopvol, Der Shaft. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Noir. 19 cm. 19 cm. Dick. Ist. Trägt. Trägt. Eher. Den schweren Korb. Den schweren Korb. Que ça dire? Nous disons Der Schaft. Ah, on va mettre le O grand puisque c'est une phrase qui démarre. Attention, une phrase complexe où il y a de Trägt eher den schweren Korb. Ça, c'est en allemand, on dit Der Hauptsatz. Der Hauptsatz. Et ob der Schaft nur 19 cm dick ist, ça c'est der Nebensatz, donc la subordonnée pour ici, concessive. Alors, der Schaft, c'est, vous prenez, der Schaft, c'est l'idée. Ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment, ça parle. Je vais dessiner ça. Voilà. Ça, c'est le manche, c'est Der Schaft, le manche. C'est le, hein. La manche, c'est la manche de chemise, mais là, c'est le manche. Le manche d'un couteau, le manche d'un coupe-coupe, le manche d'une corbeille. Là, c'est la corbeille. Mais si vous regardez très bien, la corbeille, là, elle est lourde, hein, elle est chargée, le poignet de la ménagère. Le manche, donc, Der Schaft, qui soulève la corbeille, est tout petit. On a dit à seulement épais de 19 cm. Mais arrive à soulever cette corbeille-là, ce panier-là qui est lourd, parce que chargé, hein, de vivre. Maman a été au marché, a été achetée et tout et tout. Donc, vous voyez que c'est une restriction. Notre manche n'a que 19 cm d'épaisseur, mais arrive à soulever notre corbeille qui est pourtant chevérée. Chevérée, ça veut dire lourd. Hein, notre corbeille est lourde et notre shaft, notre manche, qui n'a que quelques épaisseurs de volume, eh bien, arrive à soulever. Alors, comment nous le dirons en allemand? Nous dirons en allemand ceci. Bien que le manche. Bien que le manche ait, nous allons mettre ait ici, ait une épaisseur de 19 cm, il arrive à porter la lourde corbeille. Elle arrive à porter la lourde corbeille. Bon, disons que j'ai mis ça tel quel pour que, tel que ça se présente là, pour que les élèves aient
vous ayez une idée, bien que le manche ait une petite épaisseur, une épaisseur de 19 cm, il arrive à porter la lourde corbeille, qui, elle, vient du marché et donc est très chargée. Voilà. Et donc, les autres options, hop-glash, répondent aux mêmes exigences. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai mis hop-vol, à l'examen, vous pouvez mettre ici option. Ce sera comme si j'avais mis hop-vol. Je peux enlever hop-vol, option, et je choisis Ishab, Gewelt, ou da Ausgewelt, Hopglash, et c'est Englisch. Hopglash. 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 Voilà. Hopglash, j'y arrive. Werden das wieder gut geschrieben? Oder werden das gut schreiben? Hopglash. Voilà. Hopglash, der Schaft nur 90 cm. Dick ist, trägt eher den schweren Korb. Bien, nous allons donc passer, je crois qu'avec des concessives actes, c'était tout. Nous allons passer à la dernière subordonnée que nous avons choisi de vous donner aujourd'hui, que nous avons choisi d'étudier ensemble avec vous, vous, élèves de terminale, qui avez le bac à passer au mois de juillet. Eh bien, nous allons voir C, der Finalsatz. Voilà, der Finalsatz. Alors, der Finalsatz, donc quand on dit final, ça vient de quel mot? Ça vient du mot finalité. Auf Deutsch sagt man, ich muss ein Zweck oder ein Ziel treffen. Je dois arriver à atteindre un but. Alors, en allemand, on utilise le mot der Zweck. Der Zweck, qui veut dire le but. Le but, la finalité. La finalité. Quelle est la finalité de cette action-là? Alors, la finalité nous donne donc des Finalsatz. Des Finalsatz, nous dirons en français, la subordonnée de finalité. De finalité ou de but. Ou de but. Voilà. Alors, quelles sont les conjonctions? Welche Konjunktionen leiten diesen Nebensatz ein? Das sind nous avons d'abord une conjonction, c'est damit. Das sind damit. Damit. Alors, à quel moment il faut utiliser damit dans notre subordonné de finalité? Dans notre conjonction de finalité. Das sind, nous avons damit. À quel moment il faut utiliser damit? Nous utilisons damit lorsque nous avons dans une phrase complexe deux sujets qui sont différents. Je prends un exemple. Je dois acheter beaucoup de livres pour que papa puisse en amasser de l'argent. Je reprends, je dis, je dois acheter beaucoup de livres pour que papa puisse en amasser de l'argent. Les livres, c'est moi qui les achète. Mais papa n'achète pas les livres. Lui, il aura le bénéfice de ces livres-là. Je peux prendre un autre exemple. Ich habe Fotos, Fotos Ferien mitgebracht, damit du sie ansiehst. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, alors on va prendre des exemples, je dis,
Ishab, photos, ferien, photos. Alors, qu'est-ce que j'écris là? Ferien, photos, oui. Ferien, photos. Mitgebracht, comma. Damit du meine Freunde sie ansiehst. Ich habe Ferienfotos mitgebracht. J'ai amené des photos de vacances afin que toi, mon ami, tu puisses les regarder. Donc, Damit qui est là parce que, est juste bienvenu parce que ici en haut et en bas, nous avons deux sujets différents. Ici, c'est Dou, mon ami, et là, c'est Ich, Ich habe. Bien. Maintenant, est-ce que Damit est la seule conjonction qui puisse ici nous amener à une subordonnée finale? Je dis non. À la place de Damit, on peut utiliser une formule sous la forme infinitive. Mais à ce moment-là, beaucoup d'élèves vont penser à ce que nous avions fait la fois passée, c'est-à-dire quand nous avons étudié la subordonnée infinitive, vont penser que c'est une subordonnée infinitive. Non. Ici, il s'agit d'une subordonnée de finalité, de but. Voici. Donc, nous pourrons également, à la place de Damit, également avoir la construction du können, ein anderen finalisatz mit de infinitiv construction machen. Nous pouvons donc faire une autre subordonnée subordonnée de finalité avec zu. Oui, c'est une préposition zu. Mais ici, ça nous donne l'infinitif. C'est exactement pour tous ceux de élèves qui ont fait ça, qui ont fait la subordonnée infinitive, vont penser que c'est une subordonnée infinitive. Non. Ici, la question, c'est Botsu. Botsu ma ich das. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner ici comme exemple? Mais les exemples sont clairs. Ici, nous pourrons dire, voilà, je dis, um ein Bild zu verkaufen, comma, braucht der Maler ein Jahr. Braucht der Maler ein Jahr. Alors, ça c'est plus accusatif là. Ein Bild zu verkaufen, pour vendre une image qu'il a façonnée dans son laboratoire ou bien dans son atelier, pour bien parler, l'atelier de peinture, eh bien, il a besoin d'un an. Il a besoin d'un an. Et donc, ça là, c'est la finalité ici. Et ça, c'est ce dont il a besoin pour arriver à cette finalité-là. Il a besoin d'un an, c'est beaucoup, un an. Hein? Un an, c'est 12 mois. Il a besoin de 12 mois, donc c'est long, pour arriver à vendre une image qu'il a faite dans son atelier. Ça veut dire que son atelier ne marche pas. Il va à un moment donné lâcher prise parce que ça ne marche pas. Voilà donc les deux constructions. Il y a la construction avec Damit, lorsque, vous voyez que ici nous avons, quand on dit um ein Bild zu verkaufen, celui qui vend, c'est celui qui a besoin d'un an. Donc, vous avez le même sujet.
dasselbe Subjekt, n'est-ce pas? Da hier, ein Bild zu verkaufen, braucht braucht des Maler ein Jahr. Voilà donc les deux moments qui se retrouvent dans des finales Satz. Je reprends, je dis, wir müssen hier dringen, auf das dringen, nous devons insister sur ça. Nous avons ici Damit. Quand nous avons Damit, s'il vous plaît, lorsqu'on vous dit de former à l'examen einen Finalsatz, vous pouvez prendre ou avec Damit, ou alors prendre umzu. Ici, c'est une forme infinitive. Par contre, ici, c'est une forme conjuguée. Mais alors, la différence fondamentale des grandes Unterschied, c'est que ici, da, hier, les sujets qui se trouvent dans la subordonnée n'est pas le même sujet dans la principale. Et ici, par contre, le sujet est le même aussi bien dans la subordonnée que dans la principale. Voilà donc ce que je voulais que nous voyions ensemble aujourd'hui. Et pour mieux finaliser ça, nous avons pensé que nous pouvons terminer par cet exercice-là que nous allons faire, séance tenante ensemble. Alors, Übungen. Oh, ich habe eins. Das hat keine. Es ist nicht notwendig. Alors, ergänze diese Nebensätze mit obwohl, als, damit oder wenn. Da haben wir vier vier Sätze und wir werden mit den ersten, zweiten und vierten Nebensatz sehen, was wir, wie können wir hier diese Sätze ergänzen. Alors, ergänze diese Nebensätze mit obwohl, als, damit oder wenn. Alors, der erste Nebensatz. Meine Tochter geht jeden Tag in den Club, sie zurzeit krank ist. Was können wir hier auswählen? Ich wiederhole, meine Tochter geht jeden Tag in den Club, sie zurzeit krank ist. So, wir werden das als Übung, als Hausaufgabe machen, dass die Lektionen, die drei Nebensätze gut zu verstehen. Also ich wiederhole, Übung. Kann eine Übung sein, so. Ne? Übung, weg. Übung, da nur ein, ist eine Übung. Ergänze diese Nebensätze mit obwohl, als, damit oder wenn. Da sind vier Sätze, Nebensätze. Und sehen Sie gut, meinen Sie einen guten Wahl zwischen obwohl, als, damit oder wenn. Wenn ich das gesagt und wenn ich das euch gegeben, kann ich jetzt euch vielen Dank sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren sehr aufmerksam. Und das hat mir sehr gefallen. Und wir sehen uns die nächste Woche, wenn denn Gott uns im Leben mit dem Gott,
werden immer leben. Also, wir meinen, wir sagen Tschüss und nächsten Mal.